soirée pour lui cette année. Il décroche régulièrement, il viendra avec de l'ambition. Aujourd'hui, Éric Pascal. Lui nous a fait le voyage depuis le Pays Basque. Il a brillé hier soir à Viroco et tâchera d'en faire autant aujourd'hui à Lyon. Mathieu Michelena. Messieurs, il fait très chaud, on va pas lui laisser trop le temps. 3, 2, 1, c'est parti pour 6 minutes.
Geoffrey Bignor. Dommage. Allez les garçons, un grain de piste rien que pour vous. Joli passage, Ina. Allez, on va rentrer, c'était escapade, c'est ça? On va rentrer la poussière. Les garçons, on va laisser faire tranquillement. Allez, la coursière qui va, on espère, regagner sa loge. Allez, ça fait un tour, ça devrait passer. Ça devrait passer, je pense. Eh bien, non. Merci, Sofian. Allez, la coursière qui a décidé de rester un petit peu en piste. Et on imagine que dans la loge, il doit faire très très chaud. Elle n'a pas forcément envie d'y repartir tout de suite. Allez, escapade, voilà. Alors, on va prendre les choses en main, on va aller chercher la pitoune. Carrément, la vache va rentrer là. Ne montre pas, Fifi, ne montre pas. Les gars, Mathieu, rentre aussi. Mathieu, rentre, vous ne montrez pas. Voilà. Allez, on espère qu'elle va voir la coursière, qu'elle va voir la pitchouna et qu'elle puisse rentrer. En attendant, je vous rappelle les trois qualifiés que j'appellerai au centre de la piste une fois que la coursière sera rentrée. Il a décroché la cocarde et les 30 euros, Eric Pascal. Ils ont décroché les deux glands, Mathieu Michelina et Geoffrey Bellion. Il fallait également un quatrième qualifié et au nombre de rasés, ce sera Damien Rivière. Mathieu, Michel est là. Jacques Arquet, où es-tu? Là, voilà. Félicitations, messieurs.